Donc, nous revoilà, on est parti pour l'arène numéro 4. Bon, par contre, désolé si j'ai un petit problème, que mon micro grésille, j'ai constaté ça sur la vidéo de l'arène juste avant. Donc, désolé si c'est le cas. Ce ne sont pas que des automates rouillés. Alors ça, il faut les enlever très vite. Ces petites sentinelles, il faut les enlever très vite, sinon elles se mettent au milieu. Et une fois qu'elles sont au milieu, elles deviennent invincibles. Et elles sont assez chiantes parce qu'elles balancent pas mal d'attaques. Regardez, voilà, elle va se mettre au milieu et elle va être invincible. Et elle vous balance des attaques. Donc essayez de ne pas les laisser aller au milieu. Bon, au bout d'un certain temps, elles finissent par enlever leur bouclier. Mais évitez de les cumuler là. Par exemple, ce que je fais, j'en ai laissé 2 se mettre, c'est vraiment pas bon quoi. Bon, la troisième elle se mettra pas. Alors les sphères, faites très attention à eux. Ils font très très mal. Ils ont une attaque tourbillonnante, surtout pour les persos vigueur. Si vous la prenez celle-là, ça fait très mal. Je suis la véritable championne ici. Vous voyez les dégâts qu'ils font les sphères? Alors ces dessins d'araignée, ne le sous-estimez pas parce que je peux vous dire qu'à 3 ou 4 elles font mal. On s'en rend pas compte quand elles sont toutes seules mais... Vous avez vu? Les lames sont affusées et invitent de votre chair. Bon là je suis un peu en galère de magie. Là, je commence pas le boss dans les meilleures conditions. Alors le boss, il suffit de rester en dessous de lui. Vous voyez, il y a une zone verte, il suffit de rester en dessous de lui. Bon là, ça sert pas grand chose de mettre des AOE parce que bon, il se déplace. Donc vous tapez comme vous pouvez tant que vous êtes en dessous. Par contre, dès qu'il s'arrête, ulti. Et les deux AOE. Vous essayez de faire un peu le ménage en attendant s'il a trop de vie. Là, il va se remettre en marche. Bon, là, j'ai été vachement lent, là, par contre. Là, normalement, je le tue dès qu'il s'arrête. Et voilà pour l'arène 4.
Donc alors le boss surtout, au début vous mettez en dessous de lui, vous le tapez, vous occupez pas des PNJ, vous le tapez. Dès qu'il s'arrête, l'idéal c'est d'avoir votre ulti quand vous êtes un perso magique, l'idéal c'est d'avoir votre ulti. Dès qu'il s'arrête, vous mettez votre ulti et vos deux AOE. Pendant ce temps-là, vous faites un peu le ménage autour. Bon, par contre, avec un perso vigueur, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Votre ulti, ça sera généralement le Bekla, donc n'hésitez pas à lui claquer pendant que vous êtes ensemble. Mais avec un perso magie, si vous utilisez un météore ou cet ulti-là du bâton de destruction, vous ne le mettez pas dès le début surtout, parce que ça sera un ulti un peu gâché. Vous attendez qu'il s'arrête. Dès qu'il s'arrête, vous mettez ulti et vous mettez vos deux AOE. Et pendant ce temps-là, vous faites le ménage à côté. Donc, bah voilà pour la Rain Cut. Je pense ne rien avoir oublié. Bah, comme vous l'avez vu, le niveau augmente encore un peu par rapport à l'arène précédente. Bon, c'est pas encore une arène des plus difficiles, mais on commence à être sur quelque chose de sérieux là. Donc bah, on se dit tout de suite pour l'arène numéro 5. Et là par contre ça va être un cauchemar.